Compte tenu de ces bons résultats, est-ce que l'Office compte également offrir du soutien-conseil auprès des municipalités qui ne sont pas dans l'obligation de produire un plan d'action en vertu de la loi? Bien, effectivement, les municipalités en bas de 15 000 habitants n'ont pas cette obligation-là. Il y en a qui veulent faire un plan d'action, donc on va les soutenir. On a mis en place une stratégie pour accompagner les municipalités qui ne sont pas assujetties, on appelle ça comme ça dans notre jargon, et des fois, on va avoir des approches différentes. C'est-à-dire que dans certains cas, on va dire à une municipalité, ne fais pas nécessairement un plan d'action, mais travaillons sur des projets, sur quelques projets. Dans d'autres cas, on va parler avec les municipalités, on va dire, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de regrouper quelques municipalités puis de travailler, exemple, à la hauteur d'une MRC pour agir sur un territoire? Chose certaine, l'Office va s'occuper de toutes les municipalités, qu'elles soient assujetties à la loi ou pas. Notre rôle, c'est d'accompagner pour que les citoyens de toutes les régions du Québec puissent trouver leur place dans la communauté.